Salut salut, donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter ma little box de ce mois-ci. Donc en ce moment je vous les montre pas trop parce que elles sont pas terribles. Donc ce mois-ci je les trouvais vraiment sympa, surtout la boîte, je la trouve vraiment magnifique. Donc du coup je voulais vous montrer tout ça. Donc voici comment la boîte se présente, je la trouve vraiment trop belle. Elle est blanche avec des petites feuilles bleues, je trouve ça magnifique. Ça a un rendu hyper beau. Donc c'est ma little Provence box et voilà, elle est vraiment trop belle. Franchement je l'adore, surtout le petit truc bleu là comme ça, elle est vraiment très belle. Donc voilà. Donc la première chose que nous avons dans cette box, c'est comme d'habitude une petite carte, voilà, toute sympa, avec une petite fille, une petite dame qui se prélasse sur un transat. Donc voilà. Ensuite nous avons le My Little World comme tous les mois. Et donc à l'intérieur vous pouvez retrouver des DIY, Denel Art, les références des produits que on nous présente. Ensuite en goodies ils nous ont mis ce bracelet-ci que je trouve hyper beau. Donc c'est une manchette en fait que vous pouvez customiser. Donc vous avez deux petits bouts de ficelle en fait que vous prenez une aiguille et vous les passez à l'intérieur. Et je trouve ça hyper beau. Je trouve ça magnifique. Donc moi je ne mettrai pas les petits bouts de ficelle à l'intérieur parce que je trouve la manchette hyper belle. En plus elle est ni trop grosse ni trop fine. Franchement j'adore. Je trouve qu'elle me va très bien. Et donc voilà. Ensuite ils nous ont mis une petite plaquette comme ça avec des magnets que vous pouvez mettre sur votre frigo. Et donc au milieu vous avez une madame en maillot de bain et vous pouvez customiser avec les autres petits magnets. Et je trouve ça hyper sympa pour s'amuser un petit peu, je trouve ça cool. Donc ensuite je voulais juste vous montrer le pochon parce que ce mois-ci en fait ils l'ont customisé. Et donc il y a une petite dame qui se prélasse sur un petit fauteuil accroché à un arbre. Et en dessous il y a marqué L'Occitane en Provence et My Little Box. Donc comme vous l'aurez pu deviner, en fait ce mois-ci ils ont un partenariat en fait avec la marque L'Occitane. Donc c'est une marque que je voulais tester mais que je n'ai jamais osé tester parce que j'en avais pas entendu beaucoup parler. Et généralement quand j'entends pas beaucoup parler d'une marque, elle m'attire moins en fait. Et du coup j'ai pas voulu trop la tester. Et donc là je vais pouvoir la tester enfin. Donc voilà. Donc le premier produit que nous avons c'est une huile de douche. Donc ça je connaissais pas du tout une huile de douche, j'avais jamais entendu parler en fait. Et donc c'est en fait elle est aux amandes. Et voilà, j'ai jamais entendu parler d'huile de douche. Donc voilà, à tester, on verra bien. Donc là elle fait 75 ml. Et les 250 ml vaut 16,50€, donc c'est plutôt raisonnable. Je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça L'Occitane, et en fait non. Donc voilà, je suis contente pour ça. Et voilà, à tester. J'ai senti l'odeur tout à l'heure parce que c'est pas la première fois que je filme cette vidéo, c'est au moins la cinquième fois parce que j'ai un problème avec ma caméra. Donc du coup ouais, ça fait au moins 5 fois que je fume cette vidéo. C'est génial. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Donc voilà, à tester. On verra bien. Ensuite ils nous ont mis un petit tube comme ça qui est en fait un lait concentré toujours aux amandes. Et donc celui-ci il fait 20 ml. Et les 20 ml... Et non pardon, et les 200 ml vaut 39€. Donc je trouve ça assez raisonnable quand même. Donc voilà, par contre ça je suis moins fan de l'odeur quand même. Je préférais l'odeur de l'huile. Mais bon, on verra bien, je le testerai. Ensuite nous avons un après-shampoing conditionneur aux 5 huiles essentielles qui se présente comme ceci. Et il est vraiment tout petit. Donc je pense qu'avec ça on fait peut-être deux shampoings maximum. Et donc nous avons 35 ml
Et les 250 ml, il faut 16,50 €. Donc voilà, à tester. J'ai pas senti l'odeur par contre. Oui, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent beaucoup la Provence hein, quand même. Hein. Tu sens que t'es bien en Provence. Et donc voilà, j'aime beaucoup. En plus, la petite bouteille, je la trouve assez sympa. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, un truc qui n'a rien à voir avec l'Occitane, ils nous ont mis un produit de My Little Beauty qui s'appelle Crayon Épatant, qui est en fait un crayon que vous pouvez utiliser très bien en eyeliner ou en fard à paupières. Et je trouve ça hyper beau. En plus, la couleur, elle est hyper sympa. C'est un brun cuivré. Et j'aime beaucoup cette marque. De toute façon, My Little Beauty, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et donc, vous pouvez le retrouver sur des sites My Little Corner au prix de 12 €. Donc voilà, c'est assez raisonnable. Et donc j'ai oublié de vous dire que vous pouvez acheter cette manchette-ci sur le site My Little Corner au prix de 20 €. Donc c'est légèrement cher quand même. Donc voilà, mais elle est vraiment très 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 belle. Hein. Je vous la conseille vraiment, elle est vraiment très 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 belle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je suis toujours contente quand je reçois vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein 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 de gros bisous. Et je vous dis à très vite.